que ce sont quelquefois des avocats et même des magistrats qui conseillent aux parents protecteurs persécutés de fuir la France avec leurs enfants pour les protéger du tout-puissant réseau pédocriminel national. Je cite ce passage du rapport préliminaire de Juan Miguel Petit, rapporteur spécial de l'ONU, repris dans son rapport définitif. Dans un nombre croissant de cas, un parent séparé, habituellement la mère, choisit d'amener l'enfant ou les enfants à l'étranger plutôt que de se conformer aux décisions d'un tribunal accordant des droits de visite ou attribuant la garde à l'auteur présumé des sévices, ce qui, à son tour, pourrait exposer l'enfant à de nouveaux sévices sexuels. Il est même arrivé que des juges et des avocats au courant des faiblesses du système judiciaire conseillent officieusement à certains parents d'agir de la sorte. Mes propres expériences confirment ce fait. En 2006, lors de l'affaire Vincent, voire le livre « L'affaire Vincent au cœur du terrorisme d'État », c'est le même avocat cité par Sandrine Gachadois qui, alors avocat du petit Vincent, m'avait recommandé de mettre l'enfant sous ma protection citoyenne, faute de mieux. Il fut le premier, à cette occasion, à m'informer quant à la réalité du réseau pédocriminel et sataniste national et de son emprise totale sur l'institution judiciaire. Ceux qui me connaissent déjà savent que cet épisode s'étant soldé par mon incarcération crapuleuse et ma crapuleuse condamnation pour soustraction mineure fut l'élément déclencheur de notre combat, à Janet et moi, pour les enfants trahis. Car écoutant l'avocat de l'enfant, j'avais donc immédiatement répondu à cette obligation légale d'aller à l'encontre de décisions illégales, formulées par des imposteurs de magistrats. J'ai pris en compte à mon niveau citoyen la protection de cette petite famille, faute de mieux, et conformément aux principes judiciaires d'état de nécessité. Durant cet épisode rocambolesque, c'est un vice-procureur en exercice qui, validant la situation de martyr de cet enfant, tout comme mon action citoyenne, avait accepté de le cacher à son propre domicile durant un mois et demi avec sa grand-mère. Martine Bouillon, vice-procureur de Bobigny, apparaît malheureusement dans les procédures liées à mon inculpation crapuleuse pour soustraction de mineurs. Le magistrat avait été balancé par le président de l'association qui me mandatait en tant que bénévole pour enquêter sur ce genre d'affaires. Hélas, le lobby pédocriminel a donc clairement identifié la résistante, Martine Bouillon, et de ce fait, la cité à nouveau ici ne fait que la mettre à l'honneur, à titre d'exemple. C'est cette femme magistrat au cœur de Lyon qui dénonce l'existence de charniers d'enfants en région parisienne, mais également la réalité des réseaux pédocriminels satanistes sur le plateau de télévision de ce célèbre documentaire de France 3, intitulé « Viol et sacrifice d'enfants, la fin du silence ». Si vous n'avez pas vu ce reportage de 1999 circulant sur Internet, nous vous invitons à y remédier de toute urgence car il met en lumière très parfaitement la protection institutionnelle des réseaux pédocriminels satanistes en France. Et pour information, comme par hasard, ce reportage a été retiré des archives de presse nationale. Pour revenir à notre dossier d'enquête interdite, nous vous proposons quelques extraits d'interviews sélectionnés que nous avons prises pendant notre tournée clandestine. Nous vous offrons pour commencer les déclarations d'une mère qui, comme Sandrine Gachadois, a eu le courage de s'enfuir en clandestinité avec son enfant pour la protéger du sous-réseau du VAR. Cet officier ingénieur de l'armée française, qui a donc sacrifié sa brillante carrière pour sauver sa fillette, serait-elle, elle aussi, comme Sandrine Gachadois et tous nos témoins, en proie à des délires paranoïaques? Priscilla, bonsoir. Alors, vous avez accepté et même souhaité cette rencontre, cette interview, pour me raconter, pour nous raconter, je crois, plus grand monde possible, la très très désagréable mésaventure qui vous occupe aujourd'hui. Est-ce que vous voulez, pour commencer, vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Priscilla Majani, j'ai 37 ans, j'ai une petite fille Camille qui a 5 ans, et je suis dans l'instance de divorce avec mon futur ex-mari, depuis la date du 9 décembre 2008. J'habitais jusqu'à présent le Var
et en particulier la ville de Carqueiran, qui se situe près de Toulon. Et je suis ingénieure militaire, j'ai plus exactement le statut d'IETA, donc qui est ingénieure des études et techniques de l'armement, qui est un statut de la DGA, Délégation Générale pour l'Armement. Et donc j'ai le grade de capitaine au sein de l'armée française. J'occupais jusqu'à présent les postes d'adjoint au sous-directeur plan méthode au service du soutien de la flotte à l'arsenal de Toulon. Et j'ai été obligée de prendre, depuis le mois de mars 2011, un congé sans solde. Alors vous êtes officier dans l'armée française. Tout à fait. Et vous avez été obligée de prendre un congé sans solde, ce qui, à mon avis, n'est pas très avantageux pour le plan de carrière d'un officier. Non, c'est sûr. C'est pour l'affaire qui nous occupe en ce moment ? Pour un problème gravissime qui me concerne et qui concerne ma fille. Alors, vous êtes en instance de divorce, vous n'êtes pas encore divorcé. Non, malheureusement, non. Oui, vous avez donc, si j'ai bien compris, jusque-là, partagé la garde de votre enfant avec votre mari. C'est bien ça, vous vivez séparément. Donc les juges ont décidé une garde alternée. Oui. Donc une semaine chez la mère, une semaine chez le père. Et donc c'est quand la fille, bien sûr, était chez vous, qu'elle vous a fait ces fameuses déclarations. Voilà. Vous pouvez très rapidement les synthétiser, nous dire de quoi il en retourne. Donc elle commence à parler le 5 janvier 2011. Elle fait dans un premier temps des révélations d'agression sexuelle. Donc elle dit que son papa lui montre tout le temps son zizi, qu'il lui demande de toucher, de mettre dans la bouche, qu'il lui touche ses parties génitales à elle, qu'il se met dans le lit... qui veut lui faire des bisous sur la bouche, qui se met dans le lit avec elle. Donc elle commence par faire des premières révélations uniquement d'agressions sexuelles. Mm-hmm. Donc ma mère était présente. Il a 63 ans, vous en avez 37. Et on avait 27 ans d'écart. Vous avez 27 ans d'écart, oui. Alors, en ce qui concerne Camille, votre enfant, par exemple, quand elle revenait des gardes chez son père, y avait-il des choses qui vous paraissaient curieuses ? Y a-t-il, qui vous reviennent en mémoire maintenant qu'elle vous a fait ces révélations ? Y a quelque chose qui recoupe, en fait, ces déclarations ? Alors, déjà, dans son comportement, avec une surexcitation énorme quand elle revenait de chez son père, elle mangeait pas, il y avait des fois où elle se mettait à pleurer, complètement recroquevillée sur elle-même. Donc elle revenait amaigrie. J'avais énormément de mal à lui faire avaler quelques cuillères. Elle faisait des cauchemars et surtout elle avait énormément peur de s'endormir. Pour sortir le moindre mot et la moindre phrase, puis elle se mettait à bégayer. Et j'avais jamais réussi à comprendre. Donc tout un tas de signes, sans parler bien sûr des traces de coups dont elle disait subir et que je pouvais constater. Et notamment... Elle était frappée. Elle était frappée régulièrement, oui. Et ça, vous avez pu constater. Au visage, sur le corps, oui. Ça a été constaté par deux médecins qui ont heureusement bien accepté de faire des certificats médicaux. Alors donc, la fille manifestait un traumatisme, c'est évident, des mauvais traitements, des coups, quelque chose d'autre qui aurait plus précisément recoupé ces déclarations. Vous avez un élément ou... Alors, il y a une amie, une fois, à peu près un an avant que Camille nous fait ses révélations, Camille, elle dit que papa lui fait pipi dessus. C'est pas possible. Je dis, je comprends pas bien. Malheureusement, aujourd'hui, je comprends bien de quoi il s'agit. Et puis, un autre moment où, en revenant de chez son père, donc elle va aux toilettes, et puis je vois qu'elle a un anus complètement dilaté et avec plein de micro-fissures. Et puis, alors là, j'ai un sérieux moment de.
le trou, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je me suis dit, ben, ça doit être une selle difficile. Et puis, j'ai tout de suite effacé ça de... Vous l'avez effacé, mais ça vous a traversé l'esprit malgré tout. Je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est... Oui, c'est pas possible. Je contacte aussitôt l'association Havre, qui se trouve à la garde, à côté de Kerkeran, et qui me dit de me rendre à la police. Là, je prends contact avec mon avocate pour lui raconter ce qui se passe. Et elle me dit, vous devriez mieux passer par une psychologue, parce que sinon vous risqueriez d'avoir une dénonciation calomnieuse. Vous savez, votre mari, il a beaucoup de relations. Ces relations ces cercles de franc-maçonnerie auxquels il participait. Et il est franc-maçon. Il ne s'en cachait pas, il était même très fier d'en appartenir. Donc, comment s'appelle votre avocate, s'il vous plaît? Donc, Maître Christ. Maître Christ. Donc, avocate au barreau de Toulon. Mm-hmm. Et donc, je fais un simple signalement avec suite au conseil de mon avocate. Je ne porte pas plainte. Donc, le lendemain matin, je me rends à la police. Au commissariat de hier, c'est bien donc ça? Voilà, le 6 janvier, je fais un signalement. Et donc, Camille est auditionnée avec une audition filmée. Le policier nous demande de revenir le lendemain. Donc, elle est à nouveau filmée, elle réexplique ce qui se passe. Audition filmée, donc c'est la fameuse procédure Mélanie. Voilà. Mm-hmm. Le substitut du procureur, via les policiers, m'autorise à ne pas rendre l'enfant au père. Vendredi 7 janvier, je devais rendre l'enfant au père, donc c'était son tour de garde. Je n'ai aucun écrit, ils ne font qu'une autorisation orale. Ah, vous n'avez rien eu par écrit? Voilà. Donc je prends acte de cette autorisation. Je me dis, bon, il n'y a pas de souci. Et puis, je garde l'enfant avec moi. Et donc, Camille continue de parler. Elle est complètement soulagée d'avoir raconter tout ce qui se passe. Et le 17 janvier, au soir, au moment du coucher, elle a envie de parler plus. Donc, ma mère était présente. Je lui demande si elle veut que je sois seule avec elle ou si elle veut maman et mamie. Elle veut qu'on soit toutes les trois. Et elle nous fait des révélations tout à fait brutales de viols répétés et réguliers de la part de son père, des viols anneaux. Bon, alors là, j'imagine que c'est le choc total. Là, on s'effondre complètement. Je me dis comment c'est possible de faire des horreurs pareilles sur un petit bout de chou de 5 ans. Oui. C'est-à-dire, il fait lui-même un mètre. C'est de ton papa que tu veux parler? Oui. Il a envie de faire les amoureux. Il avait envie de faire quoi? Les amoureux, il avait envie. Les amoureux? Oui. Toi, ça veut dire quoi? Il avait envie de me marier, de se marier avec moi. De se marier avec toi? Oui. Mais tu es sa petite fille. Il avait envie que j'aime son zizi. Il avait envie que tu aimes son zizi? Oui. Comment? Comment est-ce qu'il voulait que tu aimes son zizi? Il avait envie que je l'aime beaucoup. C'est un animal. Surtout avec le zizi. J'ai pas entendu, excuse-moi. Surtout avec le zizi. Surtout avec le zizi? Oui. J'ai du mal surtout avec ça. Avec son zizi? Oui. Explique-moi, qu'est-ce qu'il faisait avec son zizi? Tu peux me parler? Il faisait plein de choses. Il voulait que je touche son zizi. Il voulait que tu touches son zizi? Que je le dise. Son zizi, il m'a mis le zizi dans le trou des fesses.
J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. Il t'a mis le zizi dans le trou des fesses? Oui. Ça fait très 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 mal. Très 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 mal. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est toi qui es à côté? Oui.